Donc salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online pour avoir une tête modée comme ceci. Donc moi pour ma part je vais la sauvegarder, la tenue sauvegardée, je vais supprimer le GIGN, voilà. Voilà, bon bref, je l'ai mis mais bon, voilà. Donc là en tout cas vous allez dans votre appartement, dans votre chambre. En gros, vous allez dans les inventaires. Inventaire, accessoires, masques. Vous choisissez ce que vous voulez. Donc moi pour ma part je vais prendre celui-là. Voilà. Après vous quittez. Il faut que vous aviez une activité de Siméon. Voilà. Donc en tout cas vous allez dans votre téléphone, activité rapide, jouer une course seule, vraiment. Vous rouvrez votre téléphone, activité normale, Siméon, tac, et là vous mitraillez la flèche de droite. Voilà, donc normalement votre personnage va se mettre dans votre lit. Vous attendez quelques secondes que l'activité se lance. Voilà, donc là vous quittez. Là vous allez voir que votre personnage sera debout sur votre lit. Là, vous allez faire inventaire, accessoires, lunettes, moi je vais en mettre, voilà. Voilà, des lunettes. Je vais mettre celui-ci. Voilà, après vous faites sortir du lit, voilà, donc il va se recoucher. Là, vous allez voir que dans quelques secondes, il va se mettre. Donc voilà, là, il l'est mis, voilà. Donc ça marche à peu près sur toutes les plateformes. Moi, pour ma part, je suis sur PS3. Donc voilà. Donc, il est depuis le début de GTA 5. Donc voilà, j'espère que ce petit glitch pour modder votre tête de personnage vous aura plu. Donc je vous dis à la prochaine. Bye.